Parce que là, sinon, à ma grande joie, voilà, et à mon grand plaisir, c'est un bon chemin, ça continue comme ça. Le lauréat de la page 111 du prix de la page 111 du prix de la page 111, si tu veux, accouche, putain, est Alain Julien, rue de Foucault. Ouais, c'est un scandale. Pour une silente obscurité aux éditions Tristam. Je vois que la relève est prise. Ouais. C'est vraiment sympa, avec beaucoup de qualité. Merci, merci. Alors Alain Julien, tout d'abord, j'ai cru comprendre que vous avez fait beaucoup de kilomètres pour être avec nous ce soir. D'où venez-vous géographiquement ? De Bordeaux. Bordeaux. Ouais. Ça s'applaudit les gens qui viennent juste pour ça, quand même. Alain Julien, nous avons... Je vous le dis pas tout de suite. Je vous le dis pas tout de suite. Non. Est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous avez écrit cette page chambre? Oui. Vous pouvez en dire un peu plus? Je peux le dire. Ah ben allez-y, faut que je le dise. Vas-y mon Alain, vas-y mon Julien. C'était le 22 juillet. Ah oui. Le 22 juillet 2011, il me semble que le temps commençait à se couvrir, et j'avais pas le titre et les nuages arrivaient. Ça c'est du courage. Lentement. Cervantes, rentre chez toi. Est-ce que vous croyez que votre victoire tient quand même à l'usage du verbe tintinabuler? Non. Non. Mais moi je vous le dis, c'est pas une partie du jury. Il me semblait que c'était plutôt espèces sonnantes et trébuchantes que. La thune. Voilà, c'est ça, ouais. La thune. Mais bon. Dans tête inabulée, c'est vrai que c'est. C'est bien. C'est bien. Vraiment, vous n'avez pas, au-delà de la météo, un moment clair dans votre esprit où vous dites, tiens, je vais mettre ce mot-là et pas un autre? Ah non, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ouais. C'est un génie.